Le jeudi 17, on est parti de Paris. On est arrivé quelques jours en avance pour s'habituer à l'heure locale. On est arrivé à Vegas et on a tout de suite repéré nos sites pour les jours à venir. Et la manière dont ça s'est passé, c'est qu'avant que la Fight Week ne commence, on est dans un hôtel différent de celui de la Fight Week et on est complètement libre de nos mouvements. On peut aller en ville et faire ce qu'on veut. Entraînement au PI, tous les jours, avec des images qu'on ne peut malheureusement pas montrer encore. Ouais, tu m'as mis en tête d'oxygène comme jamais. Oh. Ah ça, je kiffe ça, ça s'est arrivé. Bain chaud, bain froid. Ah ouais, la pluie, elle est là. Froid, chaud, froid. Et Paulin, oui. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là exactement? Voilà, on va faire un petit bain là pour Cyril là. Pour toi aussi, ouais. Bain chaud, froid. Oh Oh, ouais, ça fait profiter. J'y crois pas. Oh, bon gamin. Faut couper maintenant parce qu'on va se déshabiller comme on est tout nu. Non, tu rigoles quoi, les bonnes. C'est combien de temps? Combien de temps on fait? 2 minutes. On n'a même pas mis le temps. T'inquiète, je connais les 2 minutes là. On reste ici, si on ne descend pas jusqu'au bout. Descends plus loin toi, je suis au niveau des pecs mon frère, ils sont à fond. Mais mes mains, ça me les saisit frère, t'as vu, même toi tu n'es pas tes mains dedans. C'est mal en main. Regarde. Là on est à 52 secondes. T'as vu, c'est bon, ça fait 2 minutes. Ouais, bah tout à l'heure on y était, non? Comme on pouvait faire ce qu'on voulait, on était libre d'aller au restaurant et on a donc pu aller tester le fameux Brazilian Steakhouse que Lopez avait tellement envie de faire. Steakhouse brésilien du carnage. Ok, ça va être du carnage à mode cannibale. Viande. Il y a les légumes, tu vois, ça fait semblant histoire de rendre le truc un peu plus léger. Mais en réalité, c'est de la protéine à mort. En gros, il ne te laisse pas respirer. Le principe, c'est qu'il t'étouffe avec la viande. Parce que toutes les secondes, on t'apporte une nouvelle viande. Et tu dois dégommer rapidement. Et le truc, c'est savoir les ralentir. Tu tournes la carte vert, on te bombarde la bouffe. Tu mets rouge et ralentis un peu. Voilà, ça va être du carnage en tout cas. On a pu se balader en ville. Faire des magasins. Et puis juste chiller un petit peu quoi. Dès les premiers jours de notre arrivée, comme à son habitude, l'UFC a multiplié les demandes, les essayages, les interviews. Non, comme d'habitude. Comme d'habitude, pas plus de pression que ça. On en a toujours parce qu'on veut faire les choses bien, parce que comme je dis à chaque fois, c'est un sport, mais pas comme les autres. Et donc forcément, ça rajoute une petite pression.
c'est un combat qui est quand même assez important. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un adversaire aussi, bon, peut-être pas différent des autres, qui est dangereux à sa manière, mais qui est un peu plus complet, qui est un peu plus grand, c'est peut-être la première fois, etc. Donc ça rajoute des petites choses. Mais c'est vraiment à partir du mardi de la Fight Week qu'on rentre vraiment dans la bulle de l'UFC. Whoa. I'll check that. So we're going to be doing a nasal test today. We're going to do 10 quick circles in each nostril. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. C'est quoi la sensation, Fernand? Non, c'est rien finalement. C'est doux parce qu'elle fait un mouvement séculaire et elle ne va pas en profondeur. Non, c'est vachement mieux. Finalement. Non, du coup, c'est beaucoup mieux. Ok, donc c'est nose. Et Cyril, là, c'est quoi la différence entre cette fois-ci, la dernière fois, t'auras pas à attendre 24 heures pour avoir les résultats des tests? Ouais, c'est ça, je crois que c'était même plus de 24, c'était plus de 24 heures même. On devait attendre beaucoup plus longtemps. Là, pour le coup, ils ont des tests en 40 minutes. Du coup, ils ont les résultats, ce qui fait qu'on ne sera pas en mode quarantaine. On est en quarantaine pendant 40 minutes. C'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il a en forme? La punchline. Punchline de ouf. Mais c'est pas faux ce qu'elle m'a dit, j'avais pas remarqué. Punchline de ouf. Bon, là, moi, il est chaud. Regarde, il est casse. Bien joué, c'est bien ça. C'est bien les coups de tête. Ah, excusez-moi. Tu tiens sur le truc, masse. En gros, t'es comme ça. Et juste, tu tiens. Pose juste comme ça sur ton épaule. Il y aura l'impact entre ça et ton épaule, c'est tout. C'est ça. Vas-y, mon gamin. Mais j'avoue, ta tête est bien ici. Si il loupe, il fait ça. Bon, gamin, vas-y, je mets ma garde. Ah, voilà, c'est bon. Ah, là, c'est mieux comme ça. Ah. Ça va? Ouais, c'est bon. Est-ce que j'ai le choix même? Ah, mais bien. Est-ce que là où on a le choix même? C'est ça. On n'a même pas le choix, on a pas agir pour ça. Voilà. Sinon, il va dire rembourser mon pied d'un coup. Première fois au Pape d'Ours avec Cyril, ça, c'est comment là? Ah, c'est quelque chose, frère. Il faut une bonne rémunération. Je veux des indemnités. avec dommages et intérêts. Ouais. Pour la pénibilité du travail. Voilà. Malgré la bulle, on continue quand même à s'entraîner, à travailler, mais aussi à prendre du bon temps, bien évidemment. Et maintenant, place au combat.